Bon, ça devrait être bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est super important. Est-ce que c'est bon de votre côté? J'ai relancé une troisième fois. En attendant de voir, je vais donc commencer tout bêtement. Bienvenue pour cette quatrième partie de. Alors, je commence à voir les commentaires. Bienvenue Détonation. Bienvenue Lyra. Bienvenue Zarbi Girl. Bienvenue Le Sens de la Fête. Salut Lord Bater. Tout est ok? C'est bon? Eh ben on y va alors. On continue le Schtroumpf SDF. Donc c'est notre. Et dans la dernière, la forteresse de Seine. Ou du sel, pour faire des blagues pourries. D'ailleurs j'ai fait un truc, j'ai fait une recherche Google. Forteresse du sel, et il y a, je sais pas, une centaine de mecs qui ont déjà appelé ça la forteresse du sel. Donc c'était pas très original de ma part. Tout est ok, c'est ok. Bon, bah, ça devrait aller. Eh bien. Profitons de cette magnifique cinématique qui va nous emmener à Orlando. Et pendant ce temps-là, je regarde un petit peu ce qui se passe dans les commentaires. Donc, c'est la première fois qu'on essaie de faire ça à un horaire plus tardif. Donc, 18h. J'ai fait un vote sur Twitter pour demander si vous préférez 14h, 16h ou 18h, sachant que je ne peux pas dans tous les cas après. Et le 18h est arrivé en tête. Assez loin devant, donc on va partir sur 18 ans, on va essayer de voir. Le principal c'est que le plus de monde puisse le voir, hein, je veux dire. Cette cinématique est parfaite. J'adore cette cinématique. Elle est sublime. Évidemment, comme j'ai expliqué au tout début, là je la laisse juste parce que je l'aime bien, mais pour ceux qui veulent faire le jeu, qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir le lore, je ne laisse pas les dialogues et je ne laisse pas la grande majorité des cinématiques. Twitch a activé la possibilité de changer la qualité du stream dans le player Twitch, c'est cool pour ceux à petite connexion. Oui, alors là, du coup, je ne peux toujours pas faire. Tant que je n'aurai pas la fibre, je ne pourrai pas vous faire du 720p, enfin de l'HD quoi. Ça sera toujours du. Si pensez aux gens qui regardent après la rediff sur la chaîne YouTube, du coup, sur la chaîne que j'ai faite. Le Schtroumpf a appelé son Uber. Oui, c'est ça, c'était le Uber du Schtroumpf. L'espèce de gargouille. Je sais pas comment on prononce, c'est un peu dégueulasse. Salut, bienvenue Bobod. Bobod8Z. J'aime beaucoup ton pseudo Bobod8Z. 540p, c'est déjà très correct. C'est déjà correct. Oui, je pense que c'est pas mal, Zarbi Girl. Bien, on est enfin à Orlando. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter quelque chose. Ah oui. Alors, on avait monté l'épée. L'épée à deux mains plus 12. Donc ça, c'est cool. Par contre. L'espadon à deux mains, je pense qu'à terme, c'est l'espadon à deux mains qu'on veut utiliser. Donc on a 32 en force. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est 18 en dextérité. Donc là, je vais tout mettre dans la dextérité. Voilà, tout bêtement. Comme ça, on pourra la porter. Et en fonction des situations, on utilisera l'une ou l'autre. Alors, est-ce que je fais du PVP? Non, alors pour l'instant, je fais le jeu. On essaie de faire le jeu, donc l'idée c'est de le faire avec le Schtroumpf SDF qu'on a créé, qui est magnifique. La petite subtilité c'est qu'il ne peut pas avoir d'armure. Il peut avoir un bas d'armure qui ressemble vaguement à ce que pourrait porter dans la vraie vie un Schtroumpf SDF, si les Schtroumpfs existaient. Et idéalement il peut avoir aussi un chapeau qui ressemble à un chapeau de Schtroumpf, sauf que je n'ai absolument rien pour l'instant qui ressemble de près ou de loin à un masque de Schtroumpf. Voilà, torse nu pour l'instant. Dès qu'on trouve un bonnet quack, on le mettra. Pas d'invocation de PNJ. Et puis du hors-ligne pour éviter de se faire envoyer parce que c'est déjà assez difficile comme ça, je pense. Tu pensais. Salut Erza, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Je pensais à Norlando plus loin que ça. Bah non, bah c'est juste qu'on est allé mine de rien assez rapidement. Et bah c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'irait pas récupérer les coffres là déjà? Il y a des coffres avec des trucs dedans. Ah, ils vont être difficiles à battre, mais on va le faire. Si tu veux un coup de pied, je vais là-bas. C'est gentil. Allez, un par un, messieurs, s'il vous plaît. Un par un. Voilà. Non, j'ai dit un par un. Non, non, un seul. Toi là, ça c'est très bien. Voilà. Ok, ils vont venir en même temps. Ils font chier. Ok, merci. Merci. Ok. On va pas le faire. À deux, je vais pas y arriver de toute façon. Donc ça, c'est bon.
Ça, c'est le mimique, je crois. Ouais, c'est le mimique. Ah. Bonjour. Oui. Oui, absolument. Un tout seul, je peux y arriver sans problème, mais deux, c'est un peu plus compliqué. Ouais, non, deux, ça va pas le faire, tant pis, on déménage. On va pas mourir bêtement, ça sert à rien, je sais qu'il y en a un parmi vous qui compte les morts. Ne lui donnons pas du boulot direct. Tu le fais en solo en gros, c'est ça, j'essaie de le faire en solo. J'essaie de faire ça seul pour l'instant. Si on n'y arrive pas, peut-être qu'on passera online, peut-être qu'on invoquera des PNJ. Meurs. Non, je ne suis pas encore mort. Pour les mimiques, je ne sais pas si tu sais, tu peux leur balancer un talisman. Oui, je sais. Je vais faire ça. Mais en fait, il faut d'abord se débarrasser des gardes. Donc il faudrait qu'il y en ait un qui arrive là. Il faudrait que lui arrive tout seul. Voilà. J'ai un peu utilisé ma puissance intérieure un peu n'importe comment sur ce coup-là. Oh là là, oui. Oula. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Bien, bah faut se remettre dans le bain là, parce que c'est un peu moche. Ah bah ça va, ça lui fait quand même pas mal de dégâts. Waouh, ok. Allez. Merci, c'est parfait. Ok. Cette épée fait quand même vachement mal en plus 12. Ça devrait aller, je pense. De toute façon, on va s'occuper de ça pour l'instant. En tout cas, bonjour à ceux qui arrivent sur le live. C'est très gentil à vous de passer. Me regarder jouer à Dark Souls. L'objectif là, c'est de faire Adon Londo. Ce soir. Ça devrait aller, je pense. Ça, c'est un vrai coffre. Titanite de démon. Ok, ça nous servira pas forcément. Comme ça, tu es utile, détonation. Oui, c'est toi qui t'occupes des morts. Je te remercie. Et de toute façon, dans tous les cas, tu es très utile. Même si tu ne comptes pas les morts. T'en fais pas. La poétique de Manuel Valls. Chrono, je ne sais pas le. Je n'ai pas saisi la blague. Salut, bienvenue à toi, Silfer, ou Silfer. Je ne sais pas comment dire. Est-ce que je vais faire la trilogie? Oui, je pense que là on est parti pour faire la trilogie. Par contre, ça risque d'être beaucoup plus dur sur le 2, que je connais beaucoup moins. Et le 3 que j'ai fait une fois, et que j'ai un petit peu oublié. Silfar, ça se prononce. Ok. Bienvenue Sylphar. Bien, on va essayer pareil d'en attirer un. Allez, un seul, s'il te plaît. Bien. Merci. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on fait des super roulades, c'est parce qu'on a l'anneau de je sais plus quoi qu'on a récupéré dans la forêt. Qui est magnifique. Oh, one shot. Ça c'est bon ça. Ça c'est très très bien. Ah d'accord, on l'a one shot, mais dans une condition particulière. Là, ça n'a pas marché. Ok. Ok. Toi. Où est mon talisman de Lloyd? Et hop. Donne-moi de la merde. Ok. Et on va quand même l'affronter. Voilà, comme ça sera fait. Et voilà. S'il pouvait dropper. Non, le symbole d'avarice, ça m'aurait arrangé. Il ne l'a pas droppé. On va repartir au feu et on va continuer cette magnifique quête. Retire objet, voilà. Salut Twitchmine. Twitchmind. Twitchmine. Twitchmine? Du Discord. Ah, du Discord. Excellent. Salut Mr. Fletch. Alors comme ça tu rejoues au visiteur, c'est beaucoup mieux que dans mes souvenirs. Je dois avouer que ce petit visiteur 2 là, la relique d'Anor Londo, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Est-ce qu'on tuerait pas direct ce truc là? Non, 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 on va le tuer, mais. On va la tuer après. Voilà. À moins que quelqu'un le sache, hein, est-ce qu'on peut la tuer maintenant? Est-ce que du coup la déesse sera hostile ou pas? Si on la tue. Ça manque de pipi, oh, t'inquiète pas, on peut faire pipi sur les gens plus tard.
Oh, non, on peut pas vraiment, mais... Tu l'as, d'accord? Non, mais je veux savoir si... Tu peux toujours, ok. Ok, dans ce cas... C'était un beau combat, putain. Voilà. Bon, je l'ai tué, je suis pas méchant. Ah merde, le con. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. L'a tué, ça coupe le feu. Ah merde, on a plus de feu. Bon. J'avais pas pensé à ça. Bon, bah, on va juste ne pas mourir. C'est-à-dire qu'on peut plus aller au feu. Quand on va mourir, on va retourner ici, je pense, mais. Oh le con. J'aurais peut-être pas dû la tuer en fait. Ah, ce feu, il est quand même super important. Ça nous permet d'aller là après. Et se TP. Oh. C'était pas une grande idée. Ok, je crois que j'ai fait une grosse boulette. C'est pas grave. Bah non, je peux plus allumer le feu. Elle est morte, la meuf. Je me souvenais pas qu'elle était reliée au feu en fait. Tu peux te TP dessus et pas t'y reposer. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, ok, bon. Bah les conneries, c'est bien là. C'est bien. Donc là, lui, apparemment, va me tuer. Il va falloir vite que j'aille activer un autre feu dans le coin. Ok, c'est un combat. Voilà, c'est bien, là on est bien parti là. Tuer des PNJ dans Dark Souls, c'est pas une bonne idée. Oui, là j'avoue que c'était pas une grande idée là. Je sais pas, je me suis dit j'ai envie d'avoir une fiole d'astuce plus 4 pour m'aider à avoir plus de régénération d'endurance. Enfin, plus de régénération de vie. Et du coup, non, j'aurais pas dû la tuer en fait. Ah si, je peux allumer le feu. Oui, mais c'est normal, oui, allumer le feu, non, je peux pas allumer le feu. Bien. C'est pas grave. On va y arriver quand même. C'est un fail de qualité. Non mais là, je suis très très triste envers moi-même là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Tuer des PNJ, pourquoi je fais ça? En plus, ce feu, il est super important en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même y arriver. Voilà, s'il te plaît, juste prends ton coup. Prends ton coup. Prends ton coup. Ok, prends ton coup. Prends ton coup. Prends ton. Voilà, cette arme est très très lente. C'est terrible. Alors, surtout que tu avais dit hier que tu ne tuerais pas les PNJ. Non, mais en fait, les PNJ qui m'apportent quelque chose, je vais tuer. Les PNJ qui ne m'apportent rien et qui font rien de méchant, je vais les laisser. Mais elle, en gros, son âme de gardienne, ça me permet d'avoir une fiole d'astuce plus 4. Donc c'est pour ça que je l'ai tué. Pour avoir rapidement le plus de régénération d'astuces, parce que je rappelle que je fais le jeu torse nu. Sauf que j'avais un petit peu oublié que du coup son feu allait s'éteindre. Et le problème c'est que du coup sans son feu, ça va rien changer au final parce qu'il y a un feu juste là-bas. Ça va pas changer grand-chose. Ça va peut-être rallonger un petit peu la distance, mais c'est pas très très grave. Ça manque toujours de pipi et de ok. Mais on streamera les visiteurs. Quand je pourrai, je vous fais la promesse. Qu'on streamera les visiteurs ensemble, ça va être génial. Bien. Ok, c'est bon, ça one shot ces trucs-là. Ok, j'ai oublié que j'ai pas le bouclier équipé. Ah, depuis tout à l'heure, j'ai pas le bouclier équipé. Ok. Donc là, c'est un moment un petit peu relou. Je sais pas si t'es encore là, Mr. Fletch, mais. Alors, Adibou, est-ce que tu as eu d'autres diplômes que les maths en CE1? Je suis quand même super curieux. Attends, 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 attends. Là, on va essayer de pas déconner. On va essayer de pas déconner ici parce que j'ai pas envie de le refaire. Voilà, ça c'est bon. Ok, toi. Là, si je ne parle pas, c'est que je me concentre.
Ok, merci. Qu'est-ce que... Où je suis là? Merde! Qu'est-ce que je fous là? Alors, vivement Fried et Gaël, oui. La vache, ton build, c'est la violence. Quand je suis arrivé la première fois, j'ai mis 15 minutes à tuer la gargouille. Ouais, mais du coup, j'ai tout misé sur la force. Salut, bienvenue, Nono Jux. Tu me dis contente de te voir sur Twitch. Bah oui. Merci beaucoup d'être passé. De passer. Oula, il est parti. Oula là, oh, il s'est écrasé. Je sais pas comment je suis arrivé ici en fait. Je suis tombé. Et je suis arrivé là. Est-ce que je peux pas remonter par ici? À mon avis, oui. Est-ce que je peux pas remonter ici? Oui, je pense que c'est bon. Oh, j'ai eu peur qu'on soit tombé. Oh, ok. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, non, me tue pas. Non, me tue pas, s'il te plaît. Ah, cette épée est vraiment, vraiment pas évidente à manier dans les couloirs et contre des ennemis rapides. Voilà. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va rater les conneries parce que depuis que j'ai commencé là, je fais que des conneries. C'est bon, on est ici, tout va bien, c'est bon, tout va bien. Alors, tu me dis, Erzad, même dans Castlevania Symphony of the Night, je peux tuer des boss juste avec des coups de poing. Non, là, je pourrais pas tuer des boss avec, avec un coup de poing, ça va pas être possible. Juste en dessous du mont de pin d'Ariamis. Oui, je suis en dessous du mont de pin d'Ariamis et on ira. On peut y aller en fait, on peut déjà y aller maintenant, mais on va pas encore y aller. Je pense pas qu'on soit prêt. Frid, c'est dans le 3. Oui, Frid, c'est le boss. C'est un boss du DLC. Du DLC de Dark Souls 3. Le premier DLC de Dark Souls 3. On y sera un jour, mais pas encore. Non, toi tu vas pas nous tuer. Non, 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 non. C'est trop important. Que tu me tues pas pour l'instant. Je ne sais pas si là on arrive. C'est quelle entrée ici? Merde, je crois que c'est pas la bonne entrée. On va dropper ce qu'il avait récupéré lui. Là, il faudra juste qu'on meure pas en fait. Il faudra idéalement qu'on ne meure pas. Ok, c'est de la merde. J'aimerais trouver les jambières de ces gars-là parce que ça ressemble pour le coup vraiment. C'est blanc. Ça ressemble un petit peu à ce que pourraient porter les Schtroumpfs. Il faut que je tourne encore la manivelle. Ah, il faut pas mourir là. Il faut pas mourir. Dès que j'aurai le feu, là, c'est bon. Mais vu comme un connard, j'ai tué la gardienne du feu. Après, les Schtroumpfs, le Schtroumpf SDF est un Schtroumpf un peu méchant. Hein. Il attaque les gens, il est pas très sympa. Alors, il faut que je tourne encore une fois. Alors, je sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Si on tourne encore une fois. Ok, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Bien. Tout va bien. Tout est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire depuis le départ. Voilà, l'autre feu est ici. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est bon, on va s'en sortir. Tout va bien se passer. On va y arriver. Tranquille. Tranquille. Alors. Tu vas récupérer ça. On s'en fiche pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est le feu. Bienvenue, Goéland hargneux. Alors, si tu as raté un fail énorme, c'est que j'ai tué la gardienne du feu d'un Orlando. Et j'ai complètement oublié que son feu s'éteignait, en fait. Et du coup, on n'a plus de feu là-bas. J'ai tué pas par juste parce que je vais être méchant, non, c'est juste que je voulais récupérer une fiole d'Estus plus 4. Donc voilà, je me suis un petit peu raté sur ce coup-là. C'était même pas top. Après, c'est pas très très grave, je pense, vu qu'on a activé ce feu-là. Oula, oula, oula. Ok. Ok, merci. Oui. Ok. On se calme. On se calme, mon ami. Ok, merci. Ok. Voilà, c'est bon. Ah. Oui, Goéland, les gardiens de la paix ont... les gardiens de la peinture, pardon, ont des pantalons blancs. Mais le stuff, hein, l'équipement du gardien n'est pas ici encore. Est-ce qu'on n'irait pas se le chercher en vitesse dans le mont de pin? Ou est-ce que je suis peut-être pas encore assez puissant? Je ne sais pas. En tout cas, on peut y aller puisque j'ai le. J'ai récupéré l'objet qui permet d'entrer dans le tableau. Mais remarque, ouais, on peut y aller, ouais. Je sais pas. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on continue normalement?
Est-ce qu'on continue dans l'endo ou est-ce qu'on va dans le Mandaria Myth? Dans le Mandaria Myth, on peut essayer de récupérer du coup le pantalon Schtroumpf, quoi. Si ça vous tente. Je vous laisse décider pour l'instant, je vais récupérer au moins ce qu'il y a ici. Si tu les tues, ils drop de façon aléatoire leur équipement. Bah écoute, on va essayer d'en tuer quelques-uns alors, mais là j'ai pas l'impression qu'on va récupérer grand-chose. Vu qu'on est en carcasse et qu'on n'a pas d'humanité. Fais comme tu le sens. Bon, moi je serais d'avis de ne pas aller dans le monde peint pour l'instant. De continuer à l'Orlando. Parce que j'estime pas être assez stuffé pour le monde peint. Donc on va continuer à l'Orlando. Sauf si. Ouais, on va continuer à l'Orlando. Hop, bonjour. Et drop-moi tes pantalons, s'il te plaît. Drop-moi tes pantalons. Allez, allez, allez. Non, non, non. Merci, tant pis. C'est pas grave, on s'arrache. Ok. On va retourner au feu, on va monter un niveau. On peut bientôt porter l'autre épée là. On va récupérer. Qu'est-ce qu'on va récupérer? On va ensuite aller voir les archers. Oui, donc pour ceux qui connaissent. Alors, le truc c'est qu'après Laurel et Hardy, tu pourras te TP, ça sera plus confortable. Oui, voilà, c'est ça, t'as raison. Le sens de la fête. Alors, je t'appelle le sens de la fête alors que tu as un pseudo différent sur le Discord qui est, il me semble, Zirion. Je crois. Donc je vais taper le sens de la fête ici pour des raisons d'hygiène. Il drop des couteaux, ouais, mais enfin les couteaux ils me servent à rien là. Dextérité, 15, 16. Il me reste encore 2 en dextérité et on pourra porter cette magnifique épée qui est juste là, l'espadon de tueur de dragon. Enfin on pourra la porter, je sais pas si elle sera beaucoup mieux que celle-là. Mais au moins on aura la possibilité. Il me semble que c'est une des meilleures épées du jeu. On a eu de la chance, on l'a droppée. Je crois que c'est un truc genre t'as 20-30% de chance de la dropper. Et non, on l'a récupérée. Bien, alors. Il faut donc que je m'éclate à faire ça. Zitron, pardon, Zitron. Tu peux m'appeler Suzanne si ça te fait plaisir. Suzanne Myers, comme dans Desperate Housewives. Ouais, je vais t'appeler Suzanne. On fait comme ça. Pour aggro les ennemis, c'est pratique, les couteaux de lancer. Ouais, bon, je suis pas très très. Ouais, allez, on va essayer de les mettre dans l'inventaire. Je sais pas où ils sont. Si on a besoin d'aggro un ennemi. Là, j'avoue que ça me fait un peu flipper parce que les archers, donc comme je commençais à dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moment extrêmement casse-gueule. C'est-à-dire que tu peux avoir tout le skill du monde, ce que je n'ai pas, c'est-à-dire que je n'ai pas skill, mais. Vous allez voir, en fait, t'es bloqué sur un. T'es bloqué sur hyper stuffé qui sont là. Et là ils vont voir arriver un Schtroumpf SDF totalement à poil. Et je pense qu'ils vont se foutre de ma gueule. Je pense qu'ils vont se foutre de ma gueule largement. Ok, d'accord, tu n'es pas censé faire ça, mais merci. Allez, non. Bien, alors. Là, je pense que vous pouvez prendre les paris. Parce qu'à mon avis, il y a peu de chances que je passe ça du premier coup. Donc voilà, ça c'est l'archer. Hein, donc il m'aime pas. Chacune de ces flèches, si elle m'atteint, m'expulse littéralement du truc. C'est ça que c'est des armes flèches. Je vais grimper là-haut, aller le voir. Et en fait, il va me bloquer le passage. Donc je vais espérer qu'il tombe. Ou essayer de donner un coup d'épée. On va essayer. On va essayer. Ça part très très mal. Allez, allez, tombe, 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 tombe. Tombe ou meurt. Meurt au choix. C'est bon, il est mort. Ok, c'est bon, on a eu beaucoup de bol. On a eu beaucoup de chance. C'est toujours un moment qu'on redoute un petit peu ça. Et donc là, on arrive. On va retrouver Solaire. Ah, je sais pas s'il va y avoir Solaire en fait. Parce que du coup, je n'ai pas fait sa quête. Je l'ai pas invoqué. Je ne sais pas s'il va être là. Surprise. Il est là. Donc au pire, si on n'arrive pas, il y aura Solaire. Merci aux 14 personnes qui sont là à nous regarder avec le Schtroumpf SDF faire un Orlando dans Dark Souls. C'est très sympa à vous d'être là. À chaque fois que tu dis que tu vas mourir, tu réussis du premier coup. Écoute, je suis pas d'accord avec toi puisque la dernière fois quand j'ai fait la décharge incessante, j'avais dit que j'y arriverais.
et je suis mort comme une merde 7 fois d'affilée. Et tu étais là pour le voir. Donc non, non. Parfois, c'est juste un peu de chance. Ok, là par exemple, là, vraiment pas de chance là. J'étais persuadé d'être dans le bon truc pour le parer, mais allez. Allez. On a que 5 fioles d'astuces en plus, ouais, c'est pas top. Médaille solaire, ça nous sert à rien puisqu'on fera pas le serment solaire. On a plein de trucs à réussir là, plein de trucs à récupérer, pardon, là-bas. Alors, je remonte un peu les commentaires parce que du coup, je les zappe. Ah putain, il m'a vu. Ok, attends, vas-y, attaque-moi. Merci. Alors, les gardiens. On peut pas se TP à Ariamis en tout cas. Non, on peut pas se TP à Ariamis et on ne peut pas partir d'Ariamis sans se TP parce que il considère que c'est hors la limite du monde ou je ne sais quoi. Hop là, passage secret dans la cheminée. Eh! Exactement comme dans les visiteurs. Dans les visiteurs, il y a un passage secret dans la cheminée à la fin du niveau 1. Vous vous souvenez quand Godfrey dort, et ben le passage est dans la cheminée et après tu arrives directement dans les catacombes. Et c'est exactement comme ça. Franchement, ce jeu a tout pris aux visiteurs. C'est un scandale. C'est un putain de scandale. Ça, c'est bon. Donc ça, les gantelets de Havel, on va pas les utiliser. Ça non plus, on va pas utiliser. Ça, je sais même plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Non, ça non plus, on va pas utiliser. Enfin, c'est la meilleure armure du jeu, ça. Mais elle est très très lourde et elle nous servira pas à grand-chose dans ce qu'on veut faire. Encore un mimique. Talisman, talisman. Talisman, voilà. Hop. Donne-moi. Ouais, c'est nul. Ah, je pensais que tu serais mort en deux coups, mon vieux. Ok, d'accord. Non, il essaie de faire une pavard sur moi, là. Ok, c'est bon. Faut que j'arrête avec pavard. Faut que j'arrête avec pavard. Mais c'est vrai que son but était quand même assez incroyable. Et sans son but, je pense que l'Argentine nous aurait battus. Donc, c'est GG pavard. Pour ceux qui comprennent pas, je parle de foot. Parce que figurez-vous qu'on est champion du monde. Je vais le répéter à chaque live, je pense, qu'on est champion du monde. On va tirer un peu de ce côté. Ok, tout va bien. On va partir au feu parce qu'on a plus de, on a plus d'astuces. Bon, je pense qu'on va être obligé d'embraser un petit peu ce feu-là. Et si je pourrais. Oui, je pourrais encore me TP à Norlondo. En fait, je pourrais pas juste utiliser le feu, mais je pourrais encore me TP à Norlondo. Donc c'est bon, tout n'est pas perdu. Niveau supérieur. Non, c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est. Oui. Embraser un petit peu ce feu. Pour embraser, il me faut des humanités. Les humanités sont où? Elles sont là-bas, quelque part en dessous. Humanité jumelle, c'est très bien. Humanité jumelle, parce qu'il m'en faut du coup deux. Donc on a au moins 10, quoi. Ce serait pas mal. C'est pas Pavard, c'est Jeftuche. Non, mais non, c'est pas Jeftuche. Oh. Oui, team les visiteurs détonation, exactement. La meilleure team sur le Discord, c'est la team les visiteurs. Non, je plaisante, toutes les teams sont très très bien. Sauf la team Fort Boyard. D'ailleurs, ça se voit, c'est celle où il y a le moins de personnes dedans. La grande question, à quand un live sur Shrek? Me demande YTPierre. Bienvenue YTPierre, je sais pas, je t'avais dit bonjour. Un live sur Shrek quand je pourrais le faire. Et d'ailleurs, je ne ferai pas un live sur Shrek sur Xbox. Je ferai un live sur Shrek sur GameCube, qui est sensiblement à peu près le même jeu, mais un petit peu amélioré, comme ça on pourra voir ensemble les différences. Allez, vite, accélérons le mouvement, redevenir humain. Et voilà. Et on va se mettre au moins. Est-ce qu'on s'en met pas direct 15? Ok, on va faire ça. Quoique non, ça sert à rien d'embraser ce feu-là trop. En même temps, si on galère contre Orstan et Smaug, on sera content d'avoir 15 fioles. On verra. Si on récupère une humanité, on l'utilisera. Sinon, c'est pas grave. Enfin, une humanité, une. Oui, c'est l'humanité. On n'a plus besoin de ça, plus besoin de ça. Si, ça, on va le garder. On aura peut-être besoin pour. Hop, il me reste plus qu'un seul talisman. Viens, viens à toi. Allez, viens. Allez, viens. Allez, mon pote. Ah, tu n'as pas fait ce que je pensais que tu ferais.
Tu n'as pas fait ce que j'ai pensé que tu ferais. Bien joué. Non, non, bien joué. Tu. Beau combat. Allez, fais juste une attaque normale, s'il te plaît. Non, normale. Une attaque normale. Une attaque normale. Une attaque normale, s'il te plaît. Allez, juste. Mais fais-moi juste un truc normal! Ok, d'accord, tu me casses les couilles. Fais-moi une attaque normale, putain. Merci! Salut Ventilios, bienvenue. Bienvenue Sam. Attends, j'ai des commentaires en retard. Tu es devenu Shrek bleu, Niam est fantastique. Si tu meurs, je rigole. Eh non, je ne suis pas mort. Non, mais en même temps, je veux juste le contrer. Le gars, il fait un truc de malade, donc. On me semble que c'est ici le raccourci. Non, c'est pas là, c'est plus haut. Quand je dis ça, en fait, on va tout faire. On va tout faire, on va tout vider. Donc, c'est pas grave. Là, je crois que c'est encore un mimique. Après, on n'aura plus de talisman. On va être obligé de le faire de façon legit. Oh, ça, c'est bon, ça. Le symbole d'avarice. Ça, c'est génial. Ça, je suis super content. On va pouvoir. Ok, non, 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 mais non, mais non, mais non. Mais non. Ok, pourquoi t'as bu? Pourquoi t'as bu? Pourquoi t'as bu? Putain, ce schtroumpf, c'est un schtroumpf SDF qui est alcoolique ou quoi? J'ai absolument pas appuyé sur le bouton pour boire. Casse-toi, casse-toi. Le symbole d'avarice, c'est super utile. C'est la seule chose qu'on va se mettre sur la tête quand on battra un boss. Pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Et ça permet d'avoir beaucoup plus d'âme. Et le petit truc, c'est que ça enlève de la vie. Vous voyez la vie qui part en haut à gauche, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. On a l'air un petit peu débile comme ça. Hein. On va l'enlever. Voilà. Là, c'est encore un mimique ou pas? Oh, c'est que des mimiques ici, en fait. Ah merde, y a un truc qui arrive là. Y a un bruit. Y a un truc qui arrive, non? J'ai entendu. Bon, il fait du karaté ce truc. Ce truc fait du karaté comme dans les aliens de Men in Black quoi. Vous avez vu? Beaucoup pour cette pièce d'or. Je vais tuer ce gars-là et je vais rattraper un peu les commentaires. Merci. Barre-toi. Merci. Il a carrément explosé le gars quoi. Alors, par contre, les bleus des schtroumpfs les rendent noirs. Le live devrait s'appeler On se fait des noirs. Ah merde, je viens de comprendre. Oui, le live s'appelle, et tous les lives Dark Souls avec ce personnage s'appelleront On se fait des bleus avec le Schtroumpf SDF. Je trouve ça rigolo, puisque il est magnifique. Puisque, bah, un Schtroumpf ne peut pas se faire des bleus. Enfin, c'est une blague pas drôle, quoi. Schtroumpf SDF, et en plus alcoolo, effectivement, c'est un live artisanal. Oui, c'est un live artisanal, totalement fait de toutes mains. Ok, donc c'est pas ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, des belles peintures. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'avion de Louis XVI? Est-ce qu'il est là ou pas? Non, il n'est pas là. Alors, je me balade. Ah, il y a un gars là. Coucou. Allez, viens, mon pote. Allez, viens. Allez, viens. Et fais-moi une attaque normale, s'il te plaît. Non, mais c'est pas normal, ça. Voilà, ça c'est normal. Attaque de bouclier, je peux pas la contrer. Donc, c'est pour ça que je leur demande de faire une attaque normale pour m'aider un petit peu à les battre en fait. Non, j'adore ces chaises qui servent à rien. Les mecs, genre, ils vont s'asseoir ici quoi. Peut pas s'asseoir. Continuons notre visite d'Adorlando. Alors, il y a un mec là, il y a un mec là. Je crois que lui, c'est un archer, c'est ça? Ok, c'est bon. On va se faire ce gars-là. Putain que j'aimerais me faire Men in Black sur PS1. Y tes pierres. Je t'assure que c'est pas un bon plan. Men in Black sur PS1, c'est vraiment. J'en fais pas autant des tonnes que dans les visiteurs, mais je t'assure que c'est presque aussi chiant à jouer que les visiteurs. Ah oui, il y a là, ce mec là, oui. Donc il est bloqué à cause des dégâts qui sont là. Allez, allez. C'est bon. Alors, donc là il y a trois mecs, un peu chiant, un peu relou. 1, 2, 3. Ok, merci. Merci de me taper à travers les portes, c'est très sympa. Donc là il va absolument pas m'aider.
qui est raté. C'est bon. M'aide pas surtout, hein, là, m'aide pas, hein, surtout. Surtout ne m'aide pas, hein, je suis en train d'essayer de te sauver la vie. C'est des méchants qui attaquent, mais ne m'aide pas, espèce de merde. Donc là, il faudrait qu'il y en ait un seul qui vienne. Et pourquoi pas lancer un poignard? Très bonne idée qu'avait eu. Je sais plus lequel d'entre vous sur le chat. Couteau de lancer. Allez, viens, Fillot! Merci. Ma copine te passe le bonjour. Passe mon bonjour aussi, Sam. Allez, viens, mon pote. Oh, il a fait un coup que je pensais pas qu'il ferait. Merde, c'est où la porte? C'est là. Ah! Non! Laisse-moi heal! On est quand même pas loin d'un schtroumpf de Prometheus niveau musculeux. C'est vrai qu'on peut pas faire. Il est un peu musclé ce schtroumpf, je dois avouer que. À ce niveau-là, il est un peu musclé. Hop là! Eh bien, bonne soirée, Y et Pierre, merci d'être passé sur le live. C'était super sympa. Le live continue jusqu'à. C'est un coffre normal ça ou pas? C'est un coffre normal ça ou pas? Je vois pas le. On va taper dedans. On va taper. Ouais, c'est un coffre normal. Le live continue pendant jusqu'à 20h. On fait toujours des sessions de 2h, comme ça c'est pas trop relou à regarder en replay. Donc celui-là a commencé à 18h, on s'arrête à 20h. On va continuer. Alors là, c'est fait, on a vidé, là c'est fait. Qu'est-ce qui nous reste à cet étage? Ah oui, il y a lui. Ah oui, j'aime pas tellement. Oui, j'ai raté le contre. Les mecs avec une lance sont plus compliqués à contrer. Allez, viens juste là que je te backstab, s'il te plaît, mon ami. Allez, viens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce? Je me souviens même pas. Il doit y avoir un objet super intéressant. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, âme de héros aussi, ça c'est bien ça, âme de héros. C'est même très bien. Là, je crois que c'est un raccourci, non? Non, c'est rien. On est trop haut. Il faut qu'on descende un petit peu. J'avoue que je me perds un petit peu dans cet endroit. Là, on vient de là, là. Là, je crois que là, c'est le. Oui, ça, c'est le feu. Donc, on n'y retourne pas. Sinon, tous les ennemis vont revenir. Je crois qu'il faut faire. On va faire le raccourci. Je crois que c'est ici. Ouais, c'est là. Hop là. On skip un petit peu le truc. Là, il y a un ennemi extrêmement redoutable que je n'ai pas envie d'affronter maintenant. Et son épée passe à travers le mur, ce qui est tout à fait normal. J'ai toujours détesté ça dans Dark Souls, par contre. Je dois avouer que les ennemis, enfin les armes qui passent à travers les murs comme ça. Là, qui dit que ça fait partie du trip, hein. D'avoir des bugs, des collisions, tout ça. Moi, je pense que c'est pas top. Et le pire, je crois que c'est dans le 3. C'est à peu près la même chose. Il y a toujours autant d'armes qui passent à travers la mur et tout. Bien, mon ami, attaque normale, s'il te plaît. Merci. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Lance, on s'en fout. Là, je crois qu'il n'y a plus de mimique, de toute façon. Ok, toutes ces choses trop lourdes qu'on ne peut pas porter. C'est très cool. D'accord, merci. Eh ben, on est pas mal, là. On est pas mal, on va aller voir le forgeron. Il reste 3 feux de Létus, mais ce n'est pas grave. Allons voir le forgeron. C'est où? C'est là? Oui, c'est là. Ah, la Dream Team est réunie sur le. Dans les commentaires du Twitch. Tous les. tous les. Presque tous les anciens du Discord sont là. Sam, Erza. Ça fait plaisir. Merci d'être là, c'est gentil à vous. Allons voir le forgeron. Alors là pour l'instant on rigole un petit peu, hein, on s'amuse un petit peu. Ah, ça c'est la trace de solaire qu'on n'a pas utilisée, sauf si vraiment on n'y arrive pas. Donc je disais pour l'instant on rigole un petit peu, mais c'est pas ici, c'est pas ici. Ah, c'est plus loin. Mais on va beaucoup moins rigoler quand
On va se retrouver face à Orsan et Smaug, pour ceux qui connaissent pas. Ça va être beaucoup moins rigolo. Tu peux pas sortir ton épée, s'il te plaît, là? Sors ton épée. Ok. D'habitude, t'es censé sortir ton épée quand je suis proche de toi. Merci. Ok. Bah, il est où mon passage? Il est où le passage? C'est pas un... Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que si on tue la gardienne du feu, le passage pour le forgeron disparaît? Ou est-ce que c'est moi qui hallucine? C'est moi qui hallucine. Ok, très bien. Bravo. Bravo le veau, j'avais pas vu. C'est pas mal du tout ce tour touristique d'Arlando. Oui, j'ai bien aimé. Alors à votre droite, vous pourrez voir un forgeron. Le dernier de sa race, je crois, puisque j'ai tué tous ses frères dans la forteresse de Seine. Désolé. Alors, renforcer âme, arme. Il me faut un éclat de titanite pour la monter à 13. Donc on va acheter. Non, c'est un éclat. Ah, je peux pas acheter d'éclat de titanite. Je peux pas acheter d'éclat de titanite. Merde. Bon, est-ce qu'on s'augmenterait pas ça du coup? Espérant tueur de dragon. Ouais. De toute façon, en tous les cas, on va forcément l'utiliser. Là, il y a un coffre caché. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais un anneau, je crois. Du faucon, voilà. Oh, je suis bloqué. Non, c'est bon, je suis pas bloqué. Là, on va pas y aller. On va aller chercher. Ah, si, on va y aller là. Ok. Ok, c'est bon. Là, techniquement, ces ennemis, ils font assez mal, donc j'ai pas tellement envie de les affronter. Ok. Bon. Bah, ça se passe plutôt bien, puisqu'on a déjà fini à Orlando, en fait. Enfin, on n'a pas fini, mais je veux dire, il reste plus que... Enfin, plus que... Il reste le boss, quoi. Non. Non. Il reste le boss. Il y a un truc là, je crois. Il y a un truc là. Il me reste une fiole d'estus, ça devra aller. Ah non, il y en a un là. Allez, casse-toi. Fais un saut et pars en arrière, s'il te plaît. Merci beaucoup. Toi, pareil. Allez, saute et va en arrière. Ah non, je ne veux pas faire ça. Ah, c'est très dommage. Allez mon vieux, allez, allez, oui. Oui, bien joué mon pote. Qu'est-ce qu'ils sont cons putain. Éclat titanite. Eh mais c'est pas ça qui me manquait. Mais c'est ça, il m'en manquait un justement. Les gardes dorés drop rarement, sinon c'est à Neolando. Non mais je vais pas les farmer de toute façon, j'en ai récupéré un, ça devrait être bon. Renforcer armes. L'épée à deux mains, elle est maintenant à plus 13. Renforcer armure. Est-ce qu'on se renforcerait pas notre pantalon? Ah non, on avait dit qu'on attendrait d'avoir le truc blanc. Alors, ce que je propose, moi, c'est de rusher dans le DLC, dans le DLC, dans le monde peint d'Ariamis. Parce que déjà, bah, je comptais faire Anor-Londo en 2 heures. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Et on a déjà fini plus ou moins. Il n'y a plus qu'à aller battre le boss. Donc, on pourrait. Mais au moins, essayer de faire le monde peint pour récupérer du coup le stuff qui fait un peu schtroumpf. C'est ce que je vous propose en tout cas. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Ah oui, il faudrait ouvrir la porte, en effet. Il faudrait ouvrir la porte. Donc remonter ici, ce sera beaucoup plus simple. Après, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour animer un petit peu ce live. Comme font les vrais gens qui font des lives. Moi, je suis pour l'instant, je suis pas un streamer professionnel. Je suis juste... J'avais que ça à faire quoi. Ouvre la grille aussi. Je l'ai ouvert la grille, je l'ai ouverte, elle est ouverte. Si tu parles de la grille, l'espèce de petite porte, elle est ouverte. C'est là qu'il faut que j'aille ouvrir ça. Et après c'est bon. Hop. Tu me laisses ouvrir la porte s'il te plaît? Non, tu m'attaques pas. Non, non, non. Remarque, je dis ça mais...
Ok, vas-y, éclate-toi, vas-y mon pote, vas-y, allez, on se casse, 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 non, vous me voyez pas, je ne suis pas là, je n'existe pas. Allons au monde peint d'Ariamis, on fera peut-être pas le boss parce que, un peu difficile, enfin, pas difficile, mais je pense qu'on va se prendre la tête plus qu'autre chose, mais on va au moins récupérer le pantalon blanc qui fera qu'on aura vraiment un schtroumpf. Et après, il reste plus qu'à trouver un chapeau. Et j'avoue que là pour le coup le chapeau j'ai pas trop d'idées. Je pense que même un schtroumpf SDF il aurait quand même un chapeau, non? C'est là. Allez, si on passait au feu avant. Oui, passons au feu avant. Il y a un feu au mont d'Ariamis. Il y a un feu au mont d'Ariamis, ça ne sert à rien. J'ai bien la poupée, hein. J'ai bien la poupée. La poupée, la poupée, la poupée, la poupée. C'est où? C'est ça, non? C'est ça, voilà. Poupée étrange. C'est bon. Ok, on peut y aller. Voilà, on va se faire uniquement ce qu'on est obligé de se faire. Là, c'est un sort qui n'a aucun intérêt pour nous. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Vous m'avez tous pas vu. Personne ne m'a vu. Je n'existe pas. Là, c'est l'armure de Tarkus, le Tarkas le Noir, je sais pas quoi, qui nous servira à rien dans tous les cas. Je vais laisser un peu la cinématique de ça. Alors. Quel type de film aimes-tu au cinéma? Quel type de film? Les films avec Christophe Lambert dedans. N'importe quel film, pardon, avec Christophe Lambert dedans, je le regarde avec grand plaisir. Sauf si c'est un film de Christophe Lambert, par exemple, que tu trouves en DVD, qui est un film en anglais, je veux dire, et qui a été redoublé en français, mais par un autre gars que Christophe Lambert. Là, je ne regarde pas. Là, c'est pas possible. C'est-à-dire que Christophe Lambert redoublé par quelqu'un d'autre que lui-même, ça, je ne peux pas regarder. Et je crois que j'ai un film comme ça de Christophe Lambert que je n'ai pas regardé parce que il est redoublé par quelqu'un d'autre que lui-même. Et il n'y a pas la VO sur le DVD. Est-ce que tu suces? Oui, mais que le samedi soir. Tu aimes l'éclectisme? Ok, ça part dans les vannes sur les inconnus. J'aime beaucoup ça. Très bonne idée. On va niveau supérieur. Dextérité, il en manquait deux. On va popper une âme. Tout, 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 tout. Où est-ce que sont mes âmes? Ici. Il me faut pas grand-chose, je pense, là. Il doit me falloir 2000. Oh, c'est bon, avec ça, c'est bon, c'est suffisant. On va pouvoir essayer notre nouvelle épée. Est-ce que surtout on peut la porter, c'est ça le truc. On peut la porter, mais est-ce qu'on... Ah, on est trop lourd. Ok, il faut être totalement à poil pour la porter. Très bien, donc maintenant qu'on est comme ça, qu'on a 32, qu'on a les requis, tout part dans l'endurance. À partir de maintenant, tout part dans l'endurance. Parce que sinon on pourra même pas porter un pantalon, quoi. On va avoir l'air con. Est-ce que tu aimes les bébés tigres? J'aime beaucoup les bébés tigres. Est-ce que tu as déjà vu un homme tout nu? Ah, c'est quoi ces... J'adore vos questions, elles sont parfaites. Oui, tu as raison, ça devient un peu sale. Ça devient très très sale. En plus, j'ai remarqué, mais on est samedi soir en direct. Saturday Night Live, c'est formidable. Bien, alors, essayons cette nouvelle épée. Bon, ça c'est normal que ça one-shot ces machins-là. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus rapide que l'autre, non? Que la grande, j'ai l'impression que ça va un peu plus vite les coups. Il y a un estoc qui est très très lent par contre. Ouais, il est très très lent cet estoc. Allez, c'est parti. Ok, c'était une grande idée. Oh, il est parti, il a volé. On va pas y arriver. On va pas y arriver. On va pas y arriver, on va pas y arriver. On va au moins avoir 5 fioles d'essence de plus, sinon on va juste pas y arriver. Il me faut une humanité. Ivre, il part dans le DLC.
alors qu'il en est que quasiment au début du jeu. Enfin, j'appelle ça le DLC parce que c'est vraiment à part. Ça pourrait, ils auraient pu à l'époque vendre ça comme un DLC, ils l'ont pas fait. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Il y a eu un bug là? C'est quoi ce bug qu'il vient d'avoir? Oui, offrir de l'humanité pour en... Voilà, c'est ça. Il y a eu un gros bug, je pouvais plus rien faire, il n'y avait plus rien. Merci mon vieux. Vous faites des blagues salaces dans le chat, et par respect pour les gens, les gens bien intentionnés qui vont regarder la rediffusion, je ne commenterai pas ni ne dirai les blagues salaces que vous entendez. Ok, ça c'est génial. Ok, merci. Merci beaucoup. Toi aussi, prends une arme super lente. En vrai, quand on rouvre la porte, c'est juste une zone de farm de ouf. En 2 minutes, tu as 10 000 âmes. Ouais, mais je veux pas farmer. C'est juste, je veux récupérer les jambes qui font un petit peu schtroumpf. Non. Non. Alors, je ne sais pas où elles sont. On va devoir looter tout ce qu'il y a ici parce que j'avoue que je ne sais pas du tout où elles sont. Ça doit pas être ça. Hein. Ce serait trop beau. Non. Ok, ça commence vachement bien. Alors. Mais tes jumelles, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je sais plus. Je sais plus. Ok, excellent. Bienvenue à tous. Bienvenue, messieurs les corbeaux de merde. Mais barre-toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Oh la vache. Ok, il y a tout le Mordor qui essaie de me buter. Ah, je peux pas partir d'ici? Ah si, je peux. Ah si, je peux. Bon. J'avoue que j'ai jamais pensé à faire ça. À descendre pour ouvrir la porte. Ça, ok, tant mieux. C'est pas... Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et surtout comment j'ai fait pour survivre, c'est ça la question. Mais casse. En fait cette arme je l'aime bien, mais qu'est-ce qu'elle est lente putain. Oh putain qu'est-ce qui s'est passé là? Il a envoyé valser son pote? Ok, non. Non, non. Ok, en fait on joue au golf avec les ennemis avec cette épée. Enfin faut que ça marche. Non, 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 non. Au pire tu me tues, c'est pas très grave. Je suis juste à côté du feu. Priscilla, ça va être cool à ton niveau. Justement, je ne vais pas tuer Priscilla. Tu peux partir de la zone sans tuer Priscilla. Quel est mon Castlevania favori? Je vais pas être très très original, mais pour le coup, c'est vraiment Symphony of the Night. J'ai adoré ce jeu. Je l'ai fait sur PSP dans une compilation avec un espèce de remake d'un autre Castlevania. Et puis t'avais en bonus, si tu débloquais un truc dans le jeu, t'avais Symphony of the Night, t'avais la ROM de Symphony of the Night, et j'ai tapé je sais pas combien de niveaux de ce remake pas terrible, juste pour débloquer ça, j'ai même pas fini le jeu d'origine, j'ai lancé le jeu, et j'ai passé des heures incroyables dans Symphony of the Night, et après je l'ai acheté sur PS1. Et après, j'aime beaucoup ceux sur DS, et sur GBA. Sur GBA, je crois que c'est Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow, ou peut-être que s'il y en a un sur DS, Portrait of Ruin, Je crois que ouais, c'est ça, voilà. Et on va arrêter de laisser affronter les ennemis, ça ne sert à rien. Je remarque que c'est un peu dangereux au final de venir ici. Un peu à poil. Ok. En fait, je pense que je ne suis pas mort de la chute tout à l'heure, qui a activé un énorme raccourci au final, tout simplement parce que je suis totalement nu et du coup plus vous avez moins vous avez d'armure, plus vous j'adore cette épée, elle est formidable cette épée, elle est très lente mais elle est formidable. Plus vous avez de moins vous avez de vêtements, moins vous prenez de dégâts lors des chutes. Ces trucs-là je les aime pas, ça va être un problème. Ah, y a rien ici, merde. Ok, allez, juste meurs. Est-ce que je l'ai one shot au moins? Ouais, je l'ai one shot.
Donc vu que j'avais très peu, aucun vêtement, j'ai dû survivre miraculeusement cette chute. Mais j'aurais dû clairement mourir, hein. Ça y est, pas de problème. Bonjour. Allez, roule. Ok. Merde. Merde, merde. Il me faut vraiment plus d'endurance que ça. Très bien. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais. Oh la vache. Ces trucs-là, c'est vraiment infernal. C'est impossible à bloquer dans un couloir comme ça. C'est pas très grave. Je crois que est-ce que quelqu'un. Le skip du niveau. Le speedrun. Un skip du niveau d'un speedrun. Écoute, j'ai même pas fait exprès. J'ai voulu tomber. Puis j'ai sauté. Et je suis arrivé là. Et je découvre un truc en même temps que vous. Mais c'est fou de découvrir encore des trucs dans ce jeu au bout de 8 ans. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui pourrait me dire où est l'objet qu'on cherche? C'est-à-dire. Ça s'appelle l'armure. Je ne sais pas comment dire. Les vêtements du garde peinture. Et ça devrait être quelque part ici. Et c'est juste ce qu'on cherche. On cherche juste ça parce que ça nous permet d'avoir des pantalons blancs, les seuls pantalons blancs du jeu, qui ressemblent du coup à ce que pourrait porter un Schtroumpf, histoire que je passe pas 20 ans dans cette partie pour rien, qui est très difficile. Alors. Les âmes devraient être. Ici. Non. Oh putain, je déteste cet endroit. En plus, je vois pas ce qu'on peut faire dans cet endroit. Enfin, on peut pas ne pas mourir en fait. Ces machins-là, ils sont trop. On risque de mourir beaucoup ici. Alors, Erzra, tu l'as fait aussi, Dracula X Chronicle. T'as bien apprécié le remake pour ta part. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas. J'étais vraiment dans une optique. Je voulais en fait faire de façon légale Symphony of the Night. Et la seule façon, au final, c'était d'avoir sur PSP cette compilation. J'irai lire la suite des commentaires dès que j'aurai un moment de calme. Alors, je sais même plus où sont mes âmes là. Invisible, c'est ça. Et à droite, devrait y avoir. Là, c'est mes âmes. Ok, merci. Ok. Essayons de partir d'ici. Ok. Non. Non, non, non. Moi aussi je peux faire des roulades, mon pote. Ok, logiquement. Ça ouvre une porte, je crois. Et après, on s'en fout complètement. Ça ouvre quoi d'ailleurs? Je vais juste regarder la cinématique pour savoir ce que ça ouvre. Parce que je me souviens plus. Bienvenue, Robert. Bienvenue sur le live. Quoi de neuf depuis le début de ce stream? J'ai tué. Un petit peu comme un con, la gardienne de feu d'Adorlando. Ce qui fait qu'on a plus de feu. Ah non, oh, évidemment il me remet là quoi, enculé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pareil, on va y arriver. Non, je suis pas mort trop, mais là je vais mourir beaucoup à cause de cet endroit-là. La tenue, c'est là où il y a des rats blancs, ça t'aide. Oui! En tout cas, je sais que c'est pas là où je cherchais. Merci, le sens de la fête. C'est dans un coffre, ok, bah ça m'aide, merci. On va aller chercher ça. J'aimerais quand même récupérer, si possible, mes âmes. Ça serait sympa. 5 morts. Ouais, bon. Il y a des morts un peu plus glorieuses que d'autres. Là, c'est parce qu'il y avait le sort récupéré. J'ai rien vu. Non. Non, mais nique-toi, putain de merde. Les rats blancs sont là-bas, je crois. Juste en face, là. Il faut que j'arrive là. Robert arrive et je me fais trucider de partout. C'est formidable. Évidemment, ça n'a rien à voir avec toi. C'est la zone qui est comme ça. Surtout qu'on doit pouvoir accéder par l'autre côté, mais je ne sais même plus comment. Je sais plus comment on fait. Sauf que là, on a vraiment skippé toute une partie. Hop. Allez, 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 allez. Ok. Où sont mes âmes? Où sont mes âmes? Où sont mes âmes? Où sont mes... Quoi? Quoi? Elles sont là? Pourquoi elles sont là? Comment les âmes... Pourquoi les âmes sont là?
pourquoi les âmes étaient là, je comprends pas. Je suis clairement pas mort ici. Oh putain, mais quel con. Au moins je sais là où elle est maintenant. Non mais sérieusement, cette zone quoi, putain. Tu peux aller par le chemin normal à droite de la porte. Attends, je récupère mes âmes, je remonte et on fait ce que tu dis. Mais j'ai pas envie de perdre 7000 âmes bêtement. Surtout que là il me faut vraiment de l'endurance parce que cette épée elle prend vraiment trop d'endurance. Vous êtes désormais 7, ça valait vraiment le coup de faire un live à 18h puisqu'il y a encore moins de monde qu'à 14h. Mais c'est pas grave, faut l'essayer. Et merci à tous, en tout cas à tous ceux qui sont là. Ok, donc là c'est n'importe quoi. Où sont mes âmes? Où sont mes âmes? Bien. Les âmes avaient disparu. Au moins ça règle la question, on a perdu 7000 âmes. Anneau sacrificiel. Ah putain, mais j'aurais dû faire ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je reviens sur la personne qui sait comment trouver le truc. Comment? Tu peux y aller par-dessus le chemin normal. À droite de la porte. À droite de quelle porte? C'est ça qui m'intéresse, à droite de quelle porte? On va essayer d'autres chemins jusqu'à ce qu'on trouve dans tous les cas. De toute façon, pour partir d'ici, on est obligé d'aller voir Priscilla. Ah, je crois que c'est dans le coin là. Ça me dit quelque chose. Allez, attaque. Merci. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce défilé là? Casse-toi. Merci. Voilà. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Même ni là où je voulais aller, mais c'est pas grave. Ah d'accord, c'est tous les mecs du début qui arrivent en même temps. Formidable, excellent. Feu, droite, passerelle. Alors, feu, droite, passerelle. Feu, droite. Alors là, c'est pas ça. La peinture est pas très grande, ça devrait aller. Oh non, là c'est pas très très long. Alors attends. Droite passerelle? Qu'appelles-tu? Droite passerelle. Faut que j'aille ici là. Non, ça peut être là. Enfin, c'est pas grave, ça me fait visiter un petit peu. J'aime pas ces trucs-là juste. J'aime pas du tout ces machins-là. J'aime pas du tout ces trucs-là. Disons. Pauvre saloperie. Parce que quand ils meurent, il y a du poison. Et en plus, ils sont très laids. Ça, il faut le savoir. Ils sont très 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 moches. En fait, la seule façon d'attaquer rapidement, c'est de faire une roulade avant. Toxique. Ah, ok, d'accord. Genre toxique, carrément. C'est pas genre poison, c'est vraiment. Toxique direct, ok. Est-ce que j'ai un truc pour me soigner de toxique ou pas? Je sais même pas où on est. Est-ce que j'ai un truc pour me soigner de toxique ou pas? Je crois pas. Si, j'en ai. Ok, c'est bon. Je suis sur le bon chemin, ok. Alors. Ah, rat blanc. Ah, je crois que c'est là. Ah non, t'as dit que c'était un coffre. Merde, si c'est un coffre, c'est pas ça. Ok, d'accord. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là du tout. Bah continuons, c'est pas grave. Et vous, comment ça va sur le chat? Vous avez passé une bonne journée? Ça se passe bien le week-end? En plein mois de juillet, il n'y a personne. Quelle bonne idée de faire des lives au mois de juillet où il n'y a personne. Ah ok, je me souvenais plus qu'il y avait ces mecs-là. Ok, c'est bon, j'ai tué. Non, toi tu viens pas. Toi tu viens pas, toi tu viens pas. Parce que genre c'est pas genre là. Pas des rats ici je crois. Si, y a des rats ici. Je crois que c'est là.
Ils vont tomber ou pas ces mecs-là? Ils vont pas tomber. Salut Valkyria, bienvenue sur le live. Oh grand schtroumpf SDF. Grand schtroumpf SDF. Là pour le coup, c'est vrai que j'ai plus aucun vêtement, donc par contre j'aimerais juste en tuer en tombant. Merci. Ok, oh, ça c'est des rats. Toxique? Il donne toxique en plus ces rats? Ok, ça va pas être rigolo. Ok, d'accord. Ça doit pas être très loin. Humanité, c'est très 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 bien. Oh. En fait, c'est pas qu'ils me font peur. C'est que voilà, cette arme, je la kiffe. Mais on va être clair. Elle est trop lente, quoi. Elle est beaucoup trop lente. Elle est tellement lente. Le temps que le gars y va pour prendre un coup. Bon, c'est ce que j'ai décidé depuis le départ, je voulais faire de la force pure, donc c'est ce qu'on fait. On fait sauter un rat. Bon, il est où ce putain de coffre là? Je crois que c'est à deux mains que ça doit être rigolo. Oh. Oh les gars, comment tu les fais voler? Ça c'est rigolo. Oh putain, il est passé à travers le décor. Il a un objet ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Alors, tu me dis t'y es, mais pour autant, je ne vois pas le coffre, mon ami. Je suis encore empoisonné de... Ah, il y a un truc là. Merde. Attends, attends. Voilà. On va y arriver. Alors, c'est la bonne zone. Ok, c'est la bonne zone, mais attends. Il va falloir sauter ici. Pièce d'or, c'est pas vraiment ça que je cherchais. Remontons tout en haut. On va finir par trouver ce truc. Je crois que c'est à l'extérieur. Je crois que c'est dans la neige. Il me semble que c'est dans la neige. Peut-être pas ici, mais là, non. C'est pas genre là, là. Il n'y a pas un coffre ici. Oh là, je suis perdu. On va aller ici, mais sans grande conviction. Non, il n'y a rien ici. Encore des rats. Ok. En fait, ça fait bugger les rats. Quand tu fais cette attaque, les trucs qui passent à travers la mur, c'est n'importe quoi. Ah, je crois que c'est ça. Je crois qu'on y est. Je crois que c'est ça. Ah, putain, voilà. Ceinture, gradient, peinture. Alors. Voilà, les ceintures gradient peinture, ça ressemble à ça. Et ça ressemble pas du tout à des bottes, je trouve. Je crois qu'on a fait ça pour rien. J'avais oublié qu'ils avaient un. C'est une sorte de jupe en fait. Non, c'est affreux. On dirait pas du tout un schtroumpf. On dirait pas un schtroumpf. On a fait tout ça pour rien. On a fait tout ça pour absolument rien. C'est pas grave. Et à chaque fois, on fait bugger le jeu. Les rats disparaissent dès qu'ils touchent cette épée. C'est formidable. Bah c'est pas grave. On va juste sortir de cet endroit et on va aller faire. Enfin, du moins, essayer de faire Orstein et Smaug. Alors là, tu vas me dire que ça va pas taper là. Allez hop. Dégage, merci. Rip. Bah oui, rip, c'est un peu con. C'est un peu dommage quand même. On a fait tout ça pour. Ok. Ok. Ok, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh là là, oh là là là, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Hop, vermifuge, d'accord, très bien. Je crois qu'il y a d'autres objets ici, tant qu'on est là. Hein. Ouais, tant qu'à faire. Autant y aller. Tu peux prendre la pause comme ça. Oh putain, j'ai pas vu qu'il y a ce mec là. Oh putain, j'ai sursauté comme un connard. Ah putain, je suis tombé. Oh, ça va être génial. Essayons de pas mourir trop. Ok, ok, dernière. Dernière tuile d'astuce. Putain, oh là là, c'est n'importe quoi. C'est le Mordor cet endroit. C'est. Ah, il y a un truc là. Ok, 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 ok. Non, je ne suis pas là. Tu ne m'as pas vu? Tu ne m'as pas vu. Là, je crois qu'il y a un dragon en plus qui arrive. Je suis pas sûr et certain, mais je crois qu'il se rapproche, non?
Et il crache de la grosse saloperie. Oui, c'est ça. Oui. Effectivement. 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 Ok. C'est très bien. Ok, j'ai pas envie de vous affronter, vous, parce que vous allez me toxique. Très bien. Merci. On devrait pouvoir. Non, on peut pas. Ok. Alors. On meurt là, je pense, hein, si on tombe. Ok. Ouais. Bon, là, c'est un peu compliqué, là. Là, c'était un peu compliqué. Mais un sacrificiel. Bah, écoute, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps du tout de mettre un sacrificiel. Tu sais qu'en ces moments-là, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que j'essaie de tomber, voir si peut-être que je serais pas mort, hein, je ne sais pas. Mais arrête de me taper. On va quand même essayer de récupérer les âmes. Ah, il y a l'annexe aussi. Là, ça n'amène pas au boss, ça amène juste ici. Et après, là-bas, du coup, on peut aller au boss, sortir le DLC. Mais j'aurais quand même idéalement récupéré mes âmes. Qui doivent pas être très très loin. Donc là il y a le dragon. Les âmes, on est mort là, on est mort là. On est mort juste là. On est mort ici. Voilà. Le schtroumpf SDF est devenu le schtroumpf allocation. Il a pu s'acheter un bouclier grâce à la CAF. Oui, exactement. Oh la vache, je pensais vraiment faire plus de dégâts que ça quand même. J'ai l'impression que ça faisait plus de dégâts avec l'arme, avec l'épée qu'on avait avant. Ok. D'accord, bah reste là, c'est très bien là. Alors, j'aime bien les dégâts qu'on fait. Waouh, la bien valsée celle-là. Mais je trouve qu'on est un petit peu. Il y en a encore un. Ah oui, il y en a encore un. Au moins, ça les fait dégager, c'est bien. On va récupérer un objet qui est tout en haut, il semble. J'espère que ça vaut le coup. Statue de marque rouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas pour envoyer quelqu'un? Pourquoi cet objet est là? Il n'est pas censé être là. C'est bizarre. Âme de courage guerrier, ok. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Non. Donc les oiseaux sont en train de se tuer les uns après les autres. C'est formidable. Continuons. Je sais plus où ça va ça. On vient pas de là. Oui, on vient de là. Ok, on va pas retourner, c'est pas la peine. Tout ce que je m'en sors, Akin, bah écoute, comme tu vois, c'est pour me faire invoquer. Oui, mais c'est normal que ça soit là cet objet. C'est pas un objet que t'as genre au début du jeu. Pourquoi est-ce qu'il est à cet endroit-là? À moins que je l'ai pas acheté au marchand. Peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. Comment je m'en sors? Bah écoute, je suis mort plein de fois contre des ennemis que t'es un peu obligé de mourir. Un truc là. On a fait tout ça pour récupérer une armure qui au final ne fait absolument pas, qui ressemble pas du tout à une armure que pourrait porter un schtroumpf, donc au final on s'est fait un peu avoir. Alors juste on va épée à deux mains, épée comme ça. Alors laquelle fait plus de dégâts? Exactement pareil, 466 contre 463. Donc techniquement, pour l'instant, on va garder cette épée, l'épée qui était là, parce qu'au moins j'ai l'impression qu'elle est un peu plus rapide et on peut porter au moins le pantalon. Et du coup, je pense qu'on va porter ce pantalon pendant tout le jeu parce que je vois rien qui ressemble à peu près à un truc que pourrait porter un schtroumpf à part ça. Allons-y. Tu viens de réfléchir, Y tes pierres, un truc bleu qui court vite et qui est à moitié dénudé, c'est Sonic. Exactement. On aurait pu faire Sonic. Ça aurait très bien pu être Sonic. Donc on est d'accord qu'on part sur l'endurance à fond. Donc la vitalité, elle a un petit peu avalé la trompette, notre vitalité, mais c'est pas grave.
Bien. Alors on vient de récupérer les objets de ce DLC. J'appelle ça DLC alors que c'est pas un DLC, mais c'est pas grave. Là, on va louper l'invocation du gars, mais c'est pas grave, puisqu'on s'en fout au final. Toute façon, on va pas essayer de tuer Priscilla non plus, donc. Ok, merci, merci les gars, merci, c'est super sympa. Est-ce qu'on peut remonter ici ou pas? Non. On peut pas remonter. Génial, je suis bloqué comme une merde. Je sais pas comment remonter. Eux, ils sont de toute façon bloqués aussi par 10 cm de rien. Ils arrivent à passer. J'aime beaucoup les jeux vidéo où t'es bloqué pour 10 cm de. Non, non, non. Allez. Trois d'un coup. Merci. Où là techniquement je suis vraiment bloqué, c'est que le gars s'il enjambe c'est bon il l'a quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est bon, voilà, c'est n'importe quoi. Ok, purement ce qui ne sert à rien, on va aller du coup dans l'annexe. Alors il y en a un qui disait qu'on pouvait se faire 10 000 âmes. Quel était ton plan pour te faire 10 000 âmes? Je suis très très curieux de savoir comment on fait pour se faire 10 000 âmes. Même si je pense pas qu'on va se mettre à farmer. Je pense qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin tout de suite. Oh putain, encore toxique, évidemment, encore toxique. Ok, donc là c'est l'objet de tout à l'heure qu'on essayait d'avoir. Ok, non, cette épée est clairement mieux parce que elle, cette attaque-là se lance beaucoup plus vite. Donc on va la garder. C'est pas grave pour l'autre. L'autre nous servira aussi. Mais celle-là est plus intéressante pour nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va pas faire le dragon ici. On va descendre ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Porte à péter. Là, je pense que ça va être un piège avec plein d'ennemis, je suppose. Empire de Velka, très bien. Aucun intérêt pour nous. Mon ami, mon ami. Merci. De toute façon, je suis déjà toxique. Hein. Alors, je vais essayer de m'en sortir ici. Ouais, je vais spammer cette attaque là, c'est la seule qui fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une braise, je crois. Braise noire. Ah, ça nous servira pas tellement. Oh, c'est André qui est mort. Enfin, c'est une sorte d'André qui est décédé, malheureusement. Là, c'est. Non, pourquoi est-ce que j'espère retrouver encore des passages secrets que je connaîtrais pas dans ce jeu? Qu'est-ce que vous me racontez dans les commentaires? Le monstre chelou qui est juste derrière la porte, qui ressemble à la forge Demon Souls. 7 000 âmes. Alors, le sens de la fête, si tu fais un commentaire trop long, je ne le vois pas sur l'application. J'ai les commentaires sur le téléphone avec l'application Compagnon PS4, donc faudrait que tu fais plus, maximum 2 lignes. J'arrive pas à voir plus sinon. Non, Akin, je repense à Attention Navet, Attention Navet. Ce jeu est écrit par Gilbert Montagné. Oui, c'est une de mes meilleures chansons, ça. Je suis extrêmement fier d'avoir. Non, je plaisante. C'est une chanson de merde. Mais que j'ai beaucoup aimé faire. Et je l'ai fait principalement cette chanson grâce à la parodie de Ganesh, qui avait fait une parodie d'Orelsan. Et du coup, moi je cherchais du coup la version instrumentale. Et il me l'a gentiment donné. Il m'a donné sa version instrumentale, qu'avait fait un de ses compositeurs, enfin son compositeur. Il m'a dit, écoute, vas-y, si tu veux faire une parodie aussi, je te la donne. Et comme ça, j'ai pu faire mon bloqué entre guillemets dans un jeu vidéo. Super sympa, Ganesh. Allez voir ses vidéos, vous le connaissez forcément. C'est un des meilleurs imitateurs qu'on a sur Internet, si ce n'est le meilleur pour plein de voix.
Ok, genre toi tu viens de tomber comme ça, quoi. Ok, donc en fait vous voulez tous me tuer, quoi, c'est ça. Vous voulez juste tous me putain de buter. Allez. Ok, c'est bon. Ah si, si on tuait l'espèce de saloperie là qui est là-bas, il aurait pu nous dropper son armure ici. Son armure en turban qui ne sert à rien pour l'instant. Tout ce qu'on voulait faire de toute façon, c'était sortir d'ici. À quoi une chaîne musicale? Jamais. Je ferai jamais de chaîne musicale. J'ai fait quelques chansons. Et la meilleure chanson que j'ai faite, je pense que c'est Les Égouts dans Shrek. Et heureusement, je dis que c'est la meilleure parce que c'est celle, je n'ai pas chanté celle-là. C'est Charlotte de Lila qui l'a chantée merveilleusement. On aurait vraiment cru que c'était l'héroïne de La Reine des Neiges qui chantait. Elle a vraiment une voix formidable. Bien, fuyons d'ici. On a fait tout ça pour pas grand-chose au final. Il restera plus qu'à y retourner pour. Ok. Oh là là, mais laissez-moi au moins aller au feu là, sinon je vais me retrouver au feu de. Quoique non, là, si je meurs, je me retrouve au feu de. Je me retrouve un autre feu. Bon, ça devrait aller. Mais oui, c'est bon, si je meurs, je me retrouve. Je me retrouve pas au feu de la peinture, parce que je me retrouve directement devant Solaire, à côté de Solaire. Tu déconnes. Tu te fous de ma gueule. Je me retrouve ici, quoi. Putain, mais. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourtant, on n'était pas passé par ici. Hein. Le dernier feu auquel on avait été, c'était le feu à côté de Solaire, mais c'est pas grave. Hein. Tu vas te faire un CD. Un CD avec mes chansons. Bah, il va pas être long ton CD. Hein. Il va y avoir 3 chansons, peut-être 4. Oui, Ganesh, c'est celui qui fait Jean-Marie Le Pen Gaming, mais il est surtout connu pour ça, mais il fait pas que ça, il fait plein de trucs cool. Ah, je dis pas que Jean-Marie Le Pen c'est pas cool, c'est super cool, mais il fait plein d'autres voix. Bien, bah on continue. Bah on va aller essayer de se faire Orstan et Smaug. Je crois qu'on y est. Donc le feu le plus proche. Non, il faut qu'on retourne au feu de Solaire, ça sera plus simple. Alors, pas que je ne crois pas en mes chances de battre Orstan et Smaug avec le Schtroumpf SDF torse nu, mais. Tu sais qu'il fait d'autres trucs, mais les imitations de Le Pen, c'est les meilleures. Moi, je vais te dire, j'aime beaucoup ces imitations de Le Pen, mais si je devais choisir, je retiendrais surtout ces imitations de C'est pas sorcier. Il est formidable quand il fait son. Eh dis donc Jamy, est-ce que tu savais que jouer à Dark Souls sans armure, c'est un peu con? Moi je le fais extrêmement mal, j'essaie même pas d'imiter, je fais juste. En gros tu dis juste eh dis donc Jamy en faisant un peu des caisses, c'est tout ce que je peux faire moi, mais lui il arrive vraiment à avoir la voix. La première fois que j'ai vu une vidéo de Ganesh, il y a. Ça fait très longtemps. Hein. J'ai découvert au tout début sur Dailymotion Ganesh. Il avait. On doit pouvoir tomber ici. On peut pas tomber ici. On doit pouvoir tomber ici alors. On retourne au feu. Ouais, c'est ça. Donc sa première vidéo que j'ai vue, je savais pas que c'est une parodie. J'ai marqué c'est pas sorcier, bon voilà. Et je croyais vraiment pendant les premières secondes, et je dis bien les premières secondes, hein, avant qu'il commence à raconter des choses horribles avec la voix de Fred, je croyais que c'était un vrai c'est pas sorcier, un vrai extrait. De C'est pas sorcier. Donc c'est vraiment que c'était bien foutu quoi. Donc 10, d'accord. Là, il nous reste à récupérer un objet en fait avant Orthanes et Smaug. C'est l'arc. Même s'il va pas nous servir à grand chose. On peut aussi essayer de se faire ce truc là. Mais je pense qu'on va juste. On va juste mourir de façon assez ridicule. Voilà, c'est l'arc qui est là-bas que je vais récupérer. Les vidéos de Soral sur God of War est ex la vidéo de so la vidéo de Soral sur God of War est excellente aussi, je ne l'ai pas vue celle-là. En fait, je ne regarde pas les vidéos de jeux que je n'ai pas fait. Si je compte les faire. Et vu God of War, je ne l'ai pas encore fait, je ne devrais pas me spoiler, même si évidemment,
il va pas spoiler grand chose, je pense, sa vidéo, mais dans tous les cas, waouh, ce saut est formidable. Je préfère ne pas regarder des vidéos, peu importe la vidéo, de quelque chose que je n'ai pas vu. Bien, eh ben on va retourner une dernière fois au feu. À moins qu'on. Enfin, ok, très bien, mais genre comme ça, tu m'attaques. Genre, on se connaît pas et. Ok. À moins qu'on farme peut-être ces gars-là là. Mais je pense. Ça, je tends à oublier qu'on est sans armure ni protection, donc c'est un peu compliqué. Merci aux 10 d'entre vous qui sont là. C'est super sympa d'être là. Allez. Oh, 1195. 1195, c'est juste énorme. 854. On a passé le bouclier. Incroyable. Ah, c'est moins rigolo là, hein. Espèce de bâtard. Oh, bien joué. Tu mérites la vie. Je te laisse la vie sauf. Tu as esquivé mon attaque. C'était particulièrement bien joué. On doit pouvoir se faire le mec qui est là aussi. Oui. Eh oui. Hop là. 12, ça monte. Mais donc, formidable, excellent. On sera un peu plus nombreux. On sera un peu plus nombreux pour voir mon combat contre Orstein et Smaug. Oh la vache! Je me suis pris une flèche. Oh la vache, le bâtard! Mais casse-toi! Fuis, Schtroumpf SDF! Fuis pour ta vie! Ok, voilà. Ah, là, je suis complètement passé à côté. Là, il devrait pas pouvoir m'atteindre. Je suis dans un angle totalement mort. Voilà, c'est bon. Et on va laisser faire cet archer de merde là. Sérieusement, sérieusement. Donc là, on a en Kaioken, hein. La puissance intérieure, c'est vraiment un sort qui double pas non plus les dégâts, mais qui. Wow, j'adore comment ils explosent à chaque fois ces gars-là. Bien, on peut pas augmenter plus les armes, on n'a pas d'autres matériaux. On va essayer de le faire avec cette épée-là, parce que l'autre, je la trouve vraiment trop lente. Donc on va retourner au feu. On a une humanité. On a une humanité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En claquer une deuxième et faire un feu avec 15 peut-être. Qu'on aurait 15, ouais. On peut essayer. Merde, je suis un peu con d'avoir fait ça. Ok, je suis un peu con d'avoir fait ça aussi. Allez, viens là. Merci. Ok, alors ça n'a pas lancé l'animation, ce n'est pas grave. Ça commence à devenir chiant. Ok, d'accord, très bien. C'est toi ou moi? Oh, je suis content que ce soit moi. Bien. Allons level up. Un peu d'endurance. Ma vitalité est quand même vraiment misérable aussi, mais. Allons level up endurance ou vitalité. Alors. Endurance ou vitalité. Endurance ou vitalité. Force dextérité, on n'a peut-être plus besoin de toucher pour l'instant. Vitalité, ouais, on est vraiment trop. On est trop bas. On est beaucoup trop bas. Alors, qu'est-ce que j'ai raté dans les commentaires? Combien de morts depuis que je suis parti? Il y a eu pas mal de morts. Contre des roues dans des égouts, c'était bien pourri. Beau kill, je t'en remercie, Valkyria. Je suis actuellement dans un hôtel et devant moi passe un mec qui vient de dire « Je vais voir Akin. » Je sais pas s'il a dit ça, mais voilà. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Que tu sois dans un hôtel, en tout cas. Tu as un mini-bar avec des boissons gratuites. Enfin, gratuites. Depuis ta vidéo, mon utilisation de Sandrine a explosé. Attends, tu veux dire que tu joues actuellement. Tu joues à Fort Boyard? Non, pardon.
Tu joues à Koh-Lanta avec Sandrine juste parce que tu m'as vu dans la vidéo avec. Je suis très très honoré que tu prennes un des pires personnages du jeu. Bonsoir The Only Human, bienvenue sur le live. Nous sommes ensemble encore pendant une petite demi-heure pour essayer de battre Orstan et Smaug. On a été faire un petit tour dans la peinture d'Ariamis pour récupérer un objet qui au final ne nous servira pas, c'est formidable. Allons péter une humanité. Voilà, une seule. Alors, salut, jeune préservatif usagé Gouaioli. Ouais, je suis pas très fier de cette vanne. Du préservatif usagé Gouaioli. En fait, je voulais faire une imitation d'Antoine Daniel. Et j'ai été voir du coup comment il dit bonjour dans ses vidéos. Et à chaque fois, il dit un truc. Bande de connards, ou bande de. Je sais pas. Il dit des choses, des insultes en gros. Et je me suis dit, bah, je vais faire pareil. J'ai cherché un petit peu, et je sais pas, ça m'a paru rigolo, un préservatif usagé. Est-ce que j'ai mal à la gorge? Non, je n'ai pas mal à la gorge. C'est peut-être le micro qui n'est pas celui de mes vidéos. Après, j'ai la voix peut-être un peu plus grave, je ne sais pas. Alors, on va enlever ce qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Ça non plus. Ça non plus, on n'en aura pas besoin. L'anneau de bourre, on va le garder. Collant voleur carcasse, on va les garder. Est-ce qu'on monterait pas? On doit pouvoir monter un autre niveau avant d'aller les affronter. Alors, attendez. Une âme de courage guerrier, si on s'en pop 2, ça fait combien? 10 000? Oh là, c'est même bien plus que je pensais. Ok, voilà. Donc, en fait, si vraiment c'est 10 000, donc ça va être 5 000 par âme. Alors, je crois qu'on peut en prendre au moins 3. Âme de. C'est quoi? C'est courageux guerrier. Si on en prend 2, ça fait combien? Ça fait 10 000? Ça se fait 10 000. Donc il faut un peu plus. Genre une grande âme de guerrier anonyme. Qu'est-ce que ça me donne ça? Tu as une voix de robot mélangée à celle d'un présentateur qui en a marre. Oh, j'en ai pas marre, tu rigoles? On est bien, je suis en train de jouer à Dark Souls. Vous êtes. Je sais pas combien vous êtes, au-dessus d'une dizaine à peu près. C'est super cool, je trouve. Là, je commence vraiment les lives. Hein. C'est un truc tout nouveau là. C'est la quatrième fois qu'on est ensemble pour ça. Bon, je prenne ça. Oui, c'est ça. J'en pétais une, ça devrait suffire. Édith Piaf le retour. Pour les oiseaux de tout à l'heure, c'est ça? C'est le petit côté Édith Piaf. Vitalité, ok, très bien. Bon. Je pense qu'on est prêt. Je pense que ça va très mal se passer, mais je pense qu'on est prêt pour essayer de faire Orstan et Smaug. Sans invoquer Solaire. On a 15 fioles d'Estus, on a le sort de puissance intérieure, on a une vitalité qui est pas trop trop dégueulasse. Ok. Tu as une mauvaise connexion, Valkyria, tu pars. Ah, bah écoute, je suis désolé. Je regarderai la rediff. N'hésite pas à regarder la rediff, c'est la même chose. Je ne coupe rien, je télécharge littéralement le truc et. Dans les conditions du direct, mais en différé. Oh, mais genre quoi. Genre. Ok. Est-ce que je vous laisse la cinématique? Elle est plutôt sympa. J'avais dit que j'en laisserais pas les cinématiques et depuis tout à l'heure je fais que laisser les cinématiques. Ouais, mais elle est sympa celle-là. Quoique, attends, est-ce que mon sort continue à s'épuiser pendant la cinématique? J'ai un doute. En même temps, elle est courte. Bon, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Objectif, tuer d'abord lui. Ok, merci. Ok. Viens là, viens là, viens là, viens là. Oh la vache. Oh la vache. Merci le bouclier. Allez, allez, allez. Allez.
Non, clair, clair, ok. Ok. Oh, je t'ai pas vu arriver, toi. Ok. Éclair contré. Faudrait que j'arrive à tuer lui avant que mon buff se termine, quand même. Ça m'arrangerait. Merde, ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est pas joué à grand chose et mon buff est terminé. Merde, j'aime pas quand il fait ça. Oh, je suis bloqué, merde. Allez! Ok. Tu disais que tu fais tes lives sur Twitch. Pourquoi pas les faire sur la chaîne Akin part en live plutôt que de les retélécharger? J'aurais pu faire ça, en effet. Mais je pense que Twitch c'est peut-être plus sympa, il y a plus de possibilités que de le faire par YouTube. Je trouve que c'est mieux. Enfin, j'en ai beaucoup parlé avec plein de monde, j'ai fait un sondage aussi sur Twitter et je pense que c'est mieux de faire ça sur Twitch. D'en partir à zéro quelque part. Allez, oh putain, ça va être chiant là. Non. Ok, donc là faut le coller. Oh le bâtard, bien joué. Je dis bien joué, un boss. Non, va pas là. Va pas là. Va pas là, mon ami. Surtout que ma résine de pain doré me sert pas à grand chose là. J'adore comment le truc se déplace. Allez, viens! On est bien! Allez, viens! Je veux juste que tu restes proche. Voilà. Reste proche de moi. Ok. Ok. Ok, là t'as failli me choper, espèce de bâtard. Allez. Oh non, 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 non. Putain, c'est pas passé loin. Plus de chances de visibilité sur Twitch. Oui, bon, je fais pas forcément ça non plus pour la visibilité, mais. Ah merde. Il a failli me choper. Il a pas réussi. Non. Oh merde. Oh, bien joué. Là, je pensais vraiment. J'étais bloqué par le truc là. C'est con. Bloqué par le poteau. J'en étais plutôt bien parti. Est-ce que tu pourrais nous faire un live avec entièrement la voix du JDG 2009? Avec la voix de Maïté. Non, c'est pas une bonne idée. Et puis je pourrais pas tenir. Je pourrais pas tenir la voix aussi longtemps. On va essayer. On va essayer de mieux gérer le premier. On va essayer de mieux gérer le premier combat. Je dis pas que c'est ce que tu recherches, cependant avoir du monde dans le chat, c'est plus sympa. Tu sais, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup. Alors, pour le coup, si je faisais des lives sur la chaîne Mission Retro Gaming avec les 7000, à peu près 7500 personnes dessus, j'aurais du monde. Peut-être, j'aurais des commentaires. Mais je pense qu'on s'y retrouverait pas et tu aurais des gens qui auraient une alerte pour un live de Dark Souls alors qu'ils sont abonnés pour voir une vidéo sur un Mission Retro Gaming ou un Hacking le Tour ou peu importe. Donc ça me dérangeait. C'est pour ça que j'ai repris à zéro ici. Et puis on verra. Pour l'instant c'est le début. Ça ne peut que grandir. Bien, allez. Ok, t'étais où toi? Mais t'étais où? Genre tu m'attaquais direct, j'ai même pas vu. Oh, ça va pas être aussi simple là. Ok, je les perds de vue en fait. Ça, le problème, c'est que je les perds de mon champ de vision.
perds du champ de vision assez trop facilement en fait. Et le coup qui m'a asséné au tout début là, j'avoue que ça va pas aider. Voilà, ça part très mal là. Là, ça va être dur là. Là, ça va être dur. Ça va être dur. Faut pas que je les cible en fait. Faut que j'en cible aucun. Pas bon ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai perdu mon buff. C'est pas cool. Allez, venez les gars. C'est pas bon. Faut que quand tu attaques Smog, il faut que Orstein soit bloqué entre guillemets par un. Par un pilier, un truc comme ça. Mais là, j'ai raté complètement mon combat là. Ça m'a complètement mis sur des mauvais rails, on va dire. J'aime beaucoup cette logique. Tu tapes d'un côté, l'ennemi tombe de l'autre côté. Ok. Oh, ça se passe pas bien. Oh, c'est pas bon ça. Mais pourquoi tant de haine les gars, sérieusement? Je vous ai rien fait pour l'instant. Oh, je suis allé direct vers l'éclair. Allez, on peut encore les battre. Fais ton éclair. Merci. Non, pas maintenant. Ok. C'est pas facile. C'est pas facile. Pourtant, c'est un des combats réputés les plus difficiles dans le jeu. C'est facile à comprendre pourquoi. Ok. Ok. Je pense que si je mets une. Si je me buff avec un. Il est là. Avec une résine, ça va rien lui faire puisque c'est déjà électrique, je suppose. À mon avis, oui. Pourquoi t'as fait ça? Fais pas ça! Donne un coup normal, espèce de merde. Non. La vache. Non. Ok. Ok, ok, ok. Non. Non. Ok, qu'est-ce que t'as fait là? J'aime pas quand t'es prêt de ça là, j'arrive pas à te tourner autour. Non. Non. Allez, viens. Non. Allez, viens. Allez, viens. Viens là. Viens là. Allez, fais un truc simple. Un truc simple. Ouais. Un truc plus simple, s'il te plaît. Tape plus simple, s'il te plaît. Non, pas ça. Un truc plus simple, mon ami. Ça, ouais, ça c'est bien. Ça, c'est simple. Non, ça c'est pas simple. C'est pas cool. Ça, c'est pas cool non plus. Et seul un miracle me l'a fait éviter en tous les cas. Non, c'est pas cool ça non plus. Allez, allez bien. Ok, c'était magnifique, on a tous les deux fait de la merde là. En fait, il arrive pas. Globalement, il a un peu de difficulté à passer le poteau. Non.
presque envie de lui balancer des bombes à la gueule, mais j'ai. Je vais pas réussir à les équiper assez rapidement. Non, mais pourquoi le coup de. Pourquoi le coup de pied? Pourquoi te donner un coup de pied? Tu vois clairement que c'est pas le moment de donner un coup de pied là. Ok, si. Oh, vache. Allez. Genre, tu fais deux fois de suite, quoi. Espèce de connard! Et voilà! Putain! Wouh! Vite, 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 c'est où? Putain! Eh ben. Eh ben. Je vais lire un peu les commentaires maintenant que la pression est retombée. Oh putain, j'ai raté plein de commentaires. J'ai raté trop de commentaires. J'ai perdu mon buff. Oui, attends, ça. En fait, vous commentiez le combat en même temps. Passe à une main quand tu tapes, tu feras plus de dégâts. Ouais, bon, ça, je t'inquiète pas. GG, GG. Merci pour ton GG, sens de la fête. Merci Goéland. Merci Détonation. Merci Erza pour ton GG. YTPR qui me dit le skill. Merci YTPR. C'est un combat super difficile. Je suis très content qu'on ait réussi. Merci Only Human. On est mort qu'une fois au final, c'est plutôt cool. Contre Orstan et Smaug. Et là vraiment c'était un combat d'endurance là. Et puis totalement sans armure, juste avec un pantalon de carcasse, c'est plutôt sympa. Allons-y. Allons voir la princesse d'Anor-Londo. Tu les as battus les doigts dans le nez. Alors les doigts dans le nez, peut-être. Merde. Les doigts dans le nez, non. Certainement pas. Le combat était difficile et long, mais il faut vraiment juste bloquer l'un. Quand ils sont deux, t'en bloques un derrière un pilier. Et le deuxième, c'est plus simple de battre Orstein en second. Il faut rester proche de lui, enfin faire un peu ce que j'ai fait en fait. Alors niveau supérieur. J'ai envie de péter l'endurance en fait. J'ai envie de péter l'endurance, mais peut-être pas trop non plus. Ouais, voilà. Qu'on ait une sorte d'équilibre. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autre arme est très bien. Hein. L'arme noire, là, que j'utilise un petit peu, l'arme des. Mais celle-là est mieux parce que ce coup-là, là, il part tellement rapidement. Alors, donc, elle, par contre, on ne va pas la tuer. Elle, on ne va pas la tuer. Parce qu'elle nous apporterait rien de la tuer, c'est ça. On tue un PNJ uniquement si s'il nous apporte un bonus, quelque chose. Mais elle n'a rien à nous apporter. Oui, d'accord. Donne-moi ton serment. Voilà. Juste pour débloquer le serment. Bon, moi je dois quitter, mais au moins j'ai vu ce magnifique combat. A bientôt, YTPR. Merci d'être resté. Si tu la tues, ça ouvre le combat de Gwendoline. Alors le combat de Gwendoline, tu peux quand même le faire même sans ça. Hein. Il suffit de passer le fog. Voilà, c'est ça. Bien, voilà. On a fini avec elle, on n'ira plus jamais la voir. D'ailleurs, il me semble qu'en fait c'est un homme. Est-ce qu'on a les jumelles pour vérifier que c'est un homme? Attendez. Les jumelles sont là. Voilà, les jumelles. On est trop près. On est trop près. On est trop près. On est trop près. On va se mettre là. Hop. Voilà. Apparemment, c'est un homme qui prend l'apparence d'une femme. Tout n'est que tromperie, en fait. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Les gens reviennent ou pas? Les gens reviennent sur le stream? C'est bon? On est déjà 150. Merci à tous d'être là. Merci à tous. Non, je déconne, on n'est pas 150. Allez, on se casse. Allez. Hop. Et donc là, qu'est-ce qui. Bah, on va se casser. On peut maintenant se téléporter.
Et ça, c'est super. Il nous reste 10 minutes. On va aller. Est-ce qu'on n'irait pas prendre notre revanche sur. Non, non, on peut y arriver. Je vais juste pour l'instant retourner à Lichfeu. Ça va nous permettre de. D'ajouter un plus 1, donc avoir plus 4 à la fiole d'Estus. 270 000 viewers, tu as cassé Twitch. Ouais, je sais comment faire venir les gens sur Twitch. Je vais me faire virer au bout de 4 lives sur Twitch, ça va être formidable. Hop, renforcer fiole d'Estus, voilà donc. Pourquoi j'ai tué la gardienne d'Adalondo? Qui au final ne sert à rien, c'est pour avoir une feuille de suce à plus 4. Et quand on aura plus besoin de la graine du feu, de. En fait, on n'en a pas besoin techniquement. Ah, si, on en a besoin pour activer un raccourci. Mais quand on aura plus besoin de la graine du feu de la Quillag, là, près de Quillag, on la tuera aussi. Et comme ça, on aura plus 5. Voilà. Bah à la limite, est-ce qu'on s'arrêterait pas là, tout bêtement? On va poser le calice et on va s'arrêter là. Allez. Hop. Allez. Je vais laisser la cinématique parce que c'est quand même hyper glauque. Donc là, c'est un lapin qui bouffe un schtroumpf. C'est particulièrement dégueulasse. Goéland. J'ai rarement vu quelqu'un être aussi peu en danger dans ce combat. J'étais quand même un petit peu en danger. Il n'est pas 20h, ne nous carabistouille pas. Il est 20h dans pas longtemps, hein. Il est 19h54. On a quasiment fini. Placer Calice Royal. Parce que voilà, l'idée c'est de faire 2 heures maximum, peu importe le jeu. Pour que ça soit plus sympathique à regarder en replay. Voilà, parce que je pense que plus de 2 heures c'est compliqué à regarder en replay. Faut vraiment te dire, bon allez je prends un RTT et je vais regarder un live du mec pendant 4-5 heures. On veut les 6 minutes, ok, vous aurez les 6 minutes. Pendant les 6 dernières minutes on va réfléchir à ce qu'on fait après. On va se demander quel boss on va aller dans quelle nouvelle zone on va aller en premier. On a le choix entre soit on va dans le DLC. Soit on va aux archives du duc, soit on va. Bah justement ça apparaît. Soit on va voir Nito, soit on va aux archives du duc, soit on va voir le foyer du chaos. Oh c'est chiant ça le foyer du chaos, ça va être relou. On va faire des âmes au Calistroyer, on va pas le faire encore. Téléportation, on va revenir. J'aime pas trop cet endroit. On va retourner à Lichfeu. Le mec il a pas assez souffert à Norlando, il veut le DLC. C'est vrai que le DLC est difficile. Les boss du DLC sont super difficiles. En fait, on devrait juste aller crescendo, c'est-à-dire. Crescendo c'est de plus petit au plus fort, je crois. Je parle français, mais c'est pas un mot français, remarque. Mais on devrait juste aller faire le boss le plus simple. Ah, il y a les 4 rois aussi. Oh, les 4 rois, ça va être dur. Je les garde pour la toute fin, les 4 rois. Je pense qu'on devrait aller aux archives du duc. La prochaine fois qu'on joue, on devrait faire ça. Allons voir le forgeron, s'il peut renforcer un peu notre épée. Téléportation. Paroisse des morts-vivants. Je pense qu'on devrait. C'est ça, le plus simple sera de commencer par. Le plus simple, c'est pas simple, mais. De commencer par les archives du duc, que le combat contre Sif n'est pas trop difficile. Après. Ah, parce que le DLC, il y a Calamite, ça va être super dur ça. Après, rien nous oblige à faire dans l'ordre, hein, mais. Je pense que la prochaine fois, on ira aux archives du duc. Je suis juste en train de réfléchir. Je ne veux pas tuer Sif, le loup. Je veux d'abord le voir dans le DLC avant de le tuer. Alors, la braise noire. Oui, prends la braise noire, de toute façon, je ne l'utiliserai jamais. Modifier équipement. Non, c'est pas ça. Renforcer arme. Donc, notre épée à 2 mains, plus 14, il faut 3 éclats de titanite. Ok. Et tu n'en vends pas dans tous les cas, André, donc ça sert à rien.
On va aller se TP à Norlondo et je pense qu'on va en rester là. On a fait nos 2 heures. Est-ce qu'on peut monter un niveau ou pas? On doit pouvoir monter un niveau avant de partir. Je vais le faire ici parce que du coup, vu que j'ai tué la graine du feu, on pourra pas le faire après. Alors, il nous faut popper quelques âmes. Pas beaucoup, je pense. Une grande âme de chevet, ça devrait être bon. Ah, peut-être pas. Non, il nous faut une deuxième grande âme de chevalier. Grande âme de chevalier. Grande âme de chevalier. Oh, c'est un grand âme de homme chevalier? Ou âme de chevalier? Je sais pas. Âme de homme chevalier. Le jeu qui me troll. Il reste 500. On va aller tuer un serpent. Enfin, en tout cas, vu qu'on arrive vraiment à la toute fin, merci énormément à ceux qui sont passés, qui sont venus. On a eu une guest en Mister Flesh qui est passé à un moment donné. Merci à toi d'être passé, mon ami. Évidemment, l'imitation que j'ai faite est pleine d'amour. Hein. Je sais bien que tu n'as pas cette voix. La voix du Salut à tous, c'est Mister Flesh! Tu ne parles pas comme ça, ta voix est douce et suave. J'ai pu le constater. Ah, j'ai raté le truc. J'ai pu le constater quand on s'est vu quelques fois IRL et c'était très sympathique. Merci à tous les autres qui sont passés. N'hésitez pas à laisser un dernier message, comme ça je vous fais un petit coucou personnalisé. C'est incroyable, c'est comme une carte de vœux pour Noël, sauf que c'est pas Noël. Alors, merci beaucoup à Le Sens de la Fête, merci beaucoup Détonation. On a été moins nombreux que ce qui était escompté. Bah écoute, on a été à peu près, on a été moins nombreux que quand je le fais à 14h. Donc après peu importe, c'est pas grave. C'est pas, je suis très content que vous soyez 5, que vous soyez 10, que vous soyez 30 comme on a été la première fois. C'est pas grave. On s'amuse, on passe un moment ensemble. On va augmenter la force parce qu'au final la force va beaucoup nous aider. On va se téléporter à Norlondo, au feu que j'ai détruit. Téléportation à Norlondo. Et la prochaine fois qu'on jouera ensemble, donc ça sera pas demain, ça sera peut-être lundi ou mardi, on fera les archives du duc. Ouais, voilà, c'est on fera les archives du duc. On va sortir parce que c'est plus joli de dire au revoir ici. C'est quand même une sacrément jolie cité à Norlondo. Quel bordel. La circulation, ça doit être infernale là-dedans. Bien, merci Erzra d'être passé aussi, merci Goéland Hargneux. Tu nous dis c'est samedi soir, les gens prennent l'apéro. Bah oui, peut-être. Quand on est peu, c'est moins le bazar, c'est cool, c'est vrai. Akin, supérieur apéro, je te remercie. Après, tu peux faire les deux. Tu peux prendre l'apéro devant un de mes lives, c'est possible aussi. Donc je vous dis encore une fois, merci à tous d'être passés. Ça fait très plaisir. On continue la prochaine fois Dark Souls. Même si évidemment on fera d'autres jeux, hein, mais pour l'instant on va continuer vraiment. J'ai envie que ce soit vraiment le premier jeu que je fais, Dark Souls. Ça a vraiment une importance pour moi, une signification. J'aime vraiment beaucoup ce jeu et ça me fait très plaisir de faire découvrir ça à des personnes qui connaissent pas. Et si ça peut vous donner envie de jouer à ce merveilleux jeu, je précise que je ne suis pas payé par From Software. Je suis juste. J'aime bien ce jeu, j'aime beaucoup en parler. Donc une nouvelle fois, merci à tous. Je commence à répéter la même chose, c'est que je suis fatigué, je vais aller manger. Et à la prochaine fois, c'était le Schtroumpf SDF.